célèbre le 12 octobre sa fête nationale. Que représente pour vous cet événement? Bonjour madame, et merci de votre présence et de bien vouloir venir à cette ambassade pour maintenir cet entretien. Je pense que la fête nationale de l'Espagne est une fête qui est très simple à expliquer. Elle se réfère à la date du 12 octobre, qui est une date clé dans la période où s'est forgée l'unité de l'Espagne, une unité dans la diversité qui est celle qui caractérise notre pays. C'est donc une date pour sentir l'Espagne, pour voir d'où nous venons, ce que nous sommes, pour fêter en fraternité entre Espagnols cette réalité que nous avons, ce pays, cette nation espagnole qui est pour nous notre foyer et notre présent et notre futur. Mais si cela est l'aspect plus interne de la fête nationale, comme ambassade, la fête nationale a une portée encore plus grande du point de vue de son rayonnement, car elle essaye aussi d'être un pont de contact, de célébration avec un pays, un grand pays comme le Maroc, avec nos amis et voisins marocains. Et c'est dans ce sens une grande opportunité pour cette ambassade pour pouvoir mettre en exergue l'amitié profonde et intense qui lie le Maroc et l'Espagne et qui fait de notre voisinage un voisinage qui s'est transformé peu à peu dans un partenariat stratégique où nous travaillons main dans la main dans beaucoup de domaines qui font que l'Espagne et le Maroc soient aujourd'hui vraiment des pays qui travaillent comme partenaires et qui cherchent à de nouvelles possibilités et opportunités pour bénéficier de nos citoyens respectifs et construire ensemble des sociétés chaque fois plus avancées, plus modernes, dans une relation chaque fois plus intense et une connaissance mutuelle chaque fois plus profonde. Pourriez-vous, monsieur l'ambassadeur, nous présenter quelques actions que vous avez engagées avec le Maroc depuis votre nomination en mai 2015? Bon, ce n'est pas facile de faire un résumé. Ce n'est pas prétentieux, c'est simplement que les actions, bien au contraire, ne m'appartiennent pas à moi. Bon, je suis le représentant d'un royaume, d'un État, qui est censé faire avancer la richesse de contacts institutionnels, voire entrepreneuriales, voire entre nos sociétés, qui se produisent entre nos deux pays. Donc parler de mes actions, c'est un peu prétentieux. Je peux vous dire par contre que j'ai collaboré, que j'ai impulsé, que j'ai aidé avec toute mon équipe, qui est sensationnelle, à faire développer ce réseau de contacts chaque fois plus intense que maintiennent le Royaume du Maroc et l'Espagne. Au niveau politique, nous avons eu des visites très importantes qui se sont déroulées pendant ces dernières années, que ce soit celle de M. le Président du gouvernement, Mariano Rajoy, celle de beaucoup de nos ministres sectoriels, y inclut celle de notre ministre des Affaires étrangères, mais aussi de beaucoup d'institutions. Nous avons eu aussi la visite de la présidente du Parlement espagnol. Nous avons eu aussi beaucoup de visites de juges et de magistrats de notre Cour constitutionnelle et aussi de notre Conseil du pouvoir judiciaire. Et par le biais de la coopération sociétaire, nous avons aussi eu beaucoup d'activités dans le plan culturel, dans le plan médiatique, dans tous les domaines. Mais pour vous donner peut-être un petit exemple de choses que nous avons fait, par exemple dans le domaine économique, nous avons été impliqués plus directement, laissez-moi peut-être vous donner deux ou trois exemples, quatre exemples me viennent à la tête en ce moment. Le premier serait celui de la présentation du comité économique Maroc-Espagne, du CEMAES,
qui est une institution qui a été créée en présence de leur majesté le roi Mohamed VI et le roi Juan Carlos, il y a déjà 4 ans, et qui a vu la lumière du jour, précisément, à travers sa présentation à Madrid, en novembre 2015, dans une journée très importante, où les deux confédérations d'entrepreneurs du Maroc et de l'Espagne se sont présentées lors d'une conférence où il y a eu un échange de possibilités, d'opportunités à développer entre nos économies respectives. Une journée qui a conclu avec une audience qui a été octroyée par Sa Majesté le Roi à la CGEM avec sa partenaire sœur qui est la COE espagnole, une longue audience qui a mis en exergue aussi le fait que la couronne d'Espagne porte un intérêt très important de soutien au développement de nos liens économiques et commerciaux. Un deuxième exemple serait par exemple le partenariat multilatéral ou multisectoriel que nous avons établi en février 2016, qui a permis ici à Rabat de faire un lien entre entrepreneurs espagnols et marocains en présence de représentants des institutions financières internationales et des agences publiques marocaines pour servir de plateforme à l'établissement de nouveaux partenariats concrets, que ce soit dans le domaine de l'infrastructure et des transports, de l'eau ou de l'environnement. Troisième exemple, qui a été développé très directement par notre ambassade, a été celui d'une journée qui s'est célébrée à Madrid en juillet dernier sur les opportunités de l'eau, qui a permis à beaucoup d'entrepreneurs et d'institutions marocaines de connaître les technologies de l'eau que développe l'Espagne et a inclus des visites importantes précisément aux installations que nous avons à Madrid. Finalement, un peu avant, mais je ne veux pas l'oublier, il y a eu aussi un événement économique très important que nous avons soutenu pendant les dernières années, qui a été celui de l'inauguration de la centrale thermosolaire de Nour 1 en février 2016 par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, et qui a été l'occasion pour mettre en valeur l'effort développé par 4 grandes entreprises espagnoles qui sont Acciona, Sener, Aries et TSK, qui ont développé dans sa totalité cette centrale qui est la plus grande de l'Afrique et une des plus grandes du monde. Monsieur l'ambassadeur, comment évaluez-vous la qualité des relations entre le Maroc et l'Espagne ? Évaluer la qualité d'une relation entre deux pays est une chose très délicate et difficile. Mais au moins, j'ai l'avantage de pouvoir, et la joie, j'ai l'avantage et la joie de pouvoir dire que, sans exagérer non plus, sans vouloir être prétentieux, mais je pense que nous avons réussi, le Maroc et l'Espagne, vraiment, à développer des relations d'une qualité vraiment extraordinaire. Sous l'impulsion de l'amitié fraternelle que maintiennent nos deux souverains, leur Majesté le roi Mohamed VI et le roi Felipe VI, et dans le cadre des conventions et des accords bilatéraux qui ont été signés déjà depuis longtemps. L'année dernière, nous avons célébré le 25e anniversaire du traité de coopération et d'amitié entre le Royaume du Maroc et le Royaume d'Espagne. Nous avons pu développer ces dernières années un véritable partenariat stratégique. Quand je dis un véritable partenariat stratégique, c'est que je veux souligner que ce n'est pas de la langue de bois quand je dis, j'emploie un terme de cette ampleur. Et je peux vous le démontrer de façon un peu synthétique en vous expliquant que, par exemple, nous sommes des partenaires stratégiques car nous avons des réunions de haut niveau entre nos deux chefs de gouvernement et nos ministres de façon régulière, que nous tenons, et nous avons été le premier pays à le faire avec le Royaume du Maroc, un forum parlementaire hispano-marocain depuis déjà 4 ou 5 ans, que nous avons un réseau d'ententes entre nos institutions aussi judiciaires qui est très important et qui s'est traduit d'ailleurs
dans une coopération judiciaire qui va avoir comme résultat une proximité très grande des modèles que nous avons dans nos deux pays de pouvoir judiciaire. Mais ce partenariat stratégique ne s'arrête pas au niveau institutionnel. Il se développe aussi, il s'est développé aussi dans le domaine, par exemple, économique, où nous sommes non seulement devenus le premier partenaire économique et commercial, le premier partenaire commercial du Maroc, mais aussi nous avons réussi à ce que le Maroc soit notre deuxième partenaire commercial au niveau mondial, après les États-Unis, en dehors de l'Union européenne. Et cela s'est traduit dans des chiffres vraiment impressionnants. Nous avons réussi à doubler nos volumes d'échanges seulement en 5 ans. Nous sommes devenus aussi, dans ce même sens, les deux pays qui augmentent le plus leurs exportations respectives. Et cela se traduit par des partenariats chaque fois plus importants et une capillarité importante de relations entre nos entreprises. Partenariat stratégique aussi au niveau sécuritaire et de contrôle des flux migratoires. Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point la coopération hispano-marocaine en matière de sécurité est non seulement vraiment excellente, mais aussi un modèle au niveau international qui a été même mis en exergue par beaucoup d'institutions et d'organisations internationales et qui est à la base de la défense de la liberté et des droits de nos citoyens respectifs. Partenariat aussi stratégique dans le contrôle des flux migratoires, comme il s'est avéré être une réalité aussi modélique au niveau méditerranéen lors du sommet de la Valette il y a 2 ans. Partenariat stratégique aussi au niveau de la recherche d'une meilleure connaissance mutuelle par le biais d'échanges de programmes culturels et de présence culturelle de l'Espagne au Maroc à travers les 11 écoles qui relèvent de notre ambassade, les 6 centres de l'Institut Cervantes que nous avons dans le pays, et par le biais aussi d'une connaissance mutuelle qui s'accroît chaque jour grâce aux flux touristiques respectifs. Et je dis respectifs, ce n'est pas seulement les Espagnols qui viennent au Maroc de façon chaque fois plus importante. Nous avons été l'année dernière le deuxième pays dont le nombre des touristes a cru le plus, mais aussi flux touristiques de Marocains vers l'Espagne, et derrière tout ça, une présence d'une communauté marocaine en Espagne qui s'est élargie d'une façon vraiment importante pendant les 15 dernières années, en passant de 76 000 Marocains qu'il y avait en Espagne en 1995 à près d'1 million qu'il y avait déjà au début de cette décennie. Donc, quand je dis que nous sommes des partenaires stratégiques, croyez-moi que c'est une réalité chaque fois plus vivante et réelle, bien que pas suffisante, parce qu'en étant des amis et des voisins comme nous le sommes, dans un monde globalisé, il nous reste beaucoup à faire pour mieux profiter des opportunités qui se présentent à nos deux pays, mais aussi pour mieux savoir lutter et surmonter les défis incontournables que présente ce monde d'aujourd'hui. Revenons justement, monsieur l'ambassadeur, à la coopération sécuritaire. Mm-hmm. Quelle lecture faites-vous de ce partenariat et comment envisagez-vous l'avenir de cet engagement mutuel ? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. S'il y a un domaine où le caractère stratégique de notre partenariat est clair, c'est celui de la sécurité. La coopération entre le Royaume du Maroc et l'Espagne en matière sécuritaire est excellente, mais au-delà de ça, elle est encore plus un vrai modèle au niveau régional, même voire international. Je connais peu de pays qui ont réussi à bâtir une coopération si intense et si efficace. Mais comment avons-nous réussi à bâtir cette coopération ? Je pense que pour cela, il faut être conscient que cette
coopération, l'efficacité de cette coopération est le résultat d'un travail qui vient de loin, qui se bâtit sur le respect mutuel, mais surtout sur la confiance mutuelle, qui a permis à nos forces et corps de sécurité respectifs vraiment d'établir des liens très solides de coopération qui ont un caractère non seulement général, mais un caractère très particulier qui va du dialogue permanent, de l'échange d'informations permanent, jusqu'au plan opérationnel. Cela se reflète dans le fait que tous les jours, nous avons l'occasion de vérifier, de voir, et je le vois dans cette ambassade à travers mon conseiller qui mène les affaires de l'intérieur, tous les jours nous avons la joie de pouvoir constater à quel point nous sommes vraiment dans une dynamique chaque fois plus intense de coopération. En reprenant peut-être seulement deux exemples, je vous dirais que dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, depuis que je suis arrivé à cette ambassade, on a mené des deux côtés des opérations conjointes, plus de 10 opérations conjointes qui ont permis l'arrestation de plus de 170 terroristes. Ce sont des chiffres très importants. Des vies qui se sont sauvées par ce biais, une réalité qui doit nous remplir de satisfaction, et je le dis avec la mienne, qui est particulièrement grande, car je suis témoin de cette intensité et profondité de nos relations. Mais si vous prenez aussi la lutte contre l'immigration clandestine, c'est une lutte aussi qui a comme objectif d'éviter qu'il y ait une criminalité dans la traite des êtres humains qui cherchent à leur mobilité et qui le font d'une façon non réglée. Et si vous prenez d'autres secteurs comme la criminalité organisée, vous verrez aussi que l'Espagne et le Maroc ont beaucoup à se vanter dans le sens qu'ils ont réussi, nous avons réussi vraiment à faire de notre coopération un modèle qui d'ailleurs pourra très probablement bientôt se transformer dans de nouveaux instruments de caractère conventionnel que nous aurons la chance et la joie de pouvoir signer avec ce merveilleux pays qu'est le Royaume du Maroc. Monsieur l'ambassadeur, comment évaluez-vous le niveau des relations économiques entre nos deux pays et quels sont les secteurs porteurs de cette coopération? Bon, du point de vue économique et commercial, nos relations sont en ce moment des relations en pleine expansion. C'est quelque chose de naturel entre deux voisins. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce qui serait extraordinaire, c'est que nous serions restés où nous étions, c'est-à-dire à des niveaux vraiment minables d'échanges comme nous étions il y a seulement 15 ou 20 ans. Donc nous sommes en train de rattraper le temps perdu, à mettre le Maroc à l'heure où elle le mérite dans nos relations économiques extérieures. Et je pense aussi que du côté marocain, à mettre l'Espagne comme voisin au niveau qui se doit, comme voisin important du point de vue économique. Quels sont les résultats ou les données qui expliquent ce développement? Eh bien, écoutez, je peux vous le résumer d'une façon très simple. En peu d'années, parce que ce n'est pas un processus qui date de longue haleine, en peu d'années, nous sommes passés vraiment à être le premier client et fournisseur du Maroc. Donc, nous sommes le premier partenaire commercial du Maroc. Et pour l'Espagne, je le disais tout à l'heure aussi, le Maroc est devenu notre deuxième partenaire commercial au niveau international, après les États-Unis, si nous comptons notre commerce en dehors de l'Union européenne, bien sûr. Et cela s'est traduit dans un doublement, une duplication de notre commerce avec le Maroc en à peu près un peu plus de 5 ans, jusqu'à arriver à un chiffre vraiment remarquable de
12,6 milliards d'euros d'échanges seulement en 2016. Pour descendre un peu plus dans les détails, je vous dirais que du point de vue, disons, des exportations des deux côtés, nous sommes en train de croître à deux chiffres, ce qui n'est pas, au moins du côté espagnol, quelque chose de généralisé. Les exportations espagnoles vers le reste du monde augmentent à des taux de 1,9-2% au maximum, et nos exportations vers le Maroc augmentent à deux chiffres. L'année dernière, nous avons augmenté nos exportations clairement par-dessus le seuil de deux chiffres. Et cette année seulement, les six premiers mois de 2017, nous avons augmenté nos exportations en 13,5%. Mais le côté marocain est encore plus important. L'augmentation du côté marocain a été encore beaucoup plus importante. Et seulement pour vous donner un exemple, si nous avons augmenté nos exportations vers le Maroc cette année, les six premiers mois de cette année, en 13,5%, du côté marocain, les exportations marocaines vers l'Espagne ont augmenté en 17,2%. Donc, ce sont des chiffres assez importants. Mais regardez jusqu'à quel point il y a un changement significatif. Et vous allez le voir de façon très claire si vous regardez quel est le taux de couverture que nous avions il y a seulement 5 ans, en 2012, un taux de couverture de 170% en faveur de l'Espagne. C'est-à-dire nous exportions beaucoup plus vers le Maroc que le Maroc nous exportait à nous, Espagnols. Eh bien, maintenant, grâce à cette croissance encore plus importante des exportations marocaines vers l'Espagne, le Maroc et l'Espagne ont un commerce beaucoup plus équilibré. Et le taux de couverture commerciale qu'a l'Espagne avec le Maroc est passé de 170% en 2012 à 118% l'année dernière. Regardez ce qui s'est passé. Eh bien, nous avons une position importante, les deux pays, l'un vers l'autre. Nous, au sein de l'Union européenne, nous représentons 35% des exportations de l'Union européenne vers le Maroc. Et, du point de vue marocain, l'Espagne est la destination de 43,5% de ces exportations qui ont comme destination l'Europe. Donc, 43,5% des exportations marocaines vers l'Europe ont comme destination finale l'Espagne. Bon. C'est des chiffres impressionnants. Alors, comme résumé, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est très simple. Nous sommes passés d'une asymétrie, d'un déséquilibre dans nos relations commerciales, qui partait en plus d'un niveau très bas, à des relations commerciales très riches et importantes, vastes, amplifiées, et qui sont en plus chaque fois plus équilibrées, chaque fois plus complémentaires. Et c'est précisément cette complémentarité que je veux souligner pour finir la réponse à cette question. Car ce n'est pas une complémentarité entre grandes compagnies, c'est une complémentarité qui se caractérise par la multiplicité des acteurs qui interviennent. Nous avons 18 600 entreprises environ espagnoles qui exportent au Maroc, ce qui veut dire qu'il y a presque 100 000 Espagnols et Marocains qui s'entendent tous les jours pour faire marcher ces exportations, importations. Et nous avons établi, et cela explique la complémentarité entre nous, une véritable économie circulaire, c'est-à-dire nos secteurs productifs travaillent dans des chaînes globales de valeur. Et vous m'avez demandé, madame, dans quel secteur? Eh bien, vous allez le voir tout de suite. Prenons l'automobile. L'automobile qui se développe au Maroc et qui est devenu son premier chapitre d'exportation se produit avec la collaboration de l'Espagne, des pièces détachées, des entreprises espagnoles qui fournissent de producteurs marocains d'automobiles pour la fabrication de voitures qui, une fois finies au Maroc, repartent vers l'Espagne.
Prenons le textile. Il y a chaque fois plus de compagnies espagnoles, et vous en connaissez des importantes. Je ne vais pas faire de la publicité, mais enfin, tout le monde connaît par exemple Zara ou le Corte Inglés. Ces compagnies espagnoles ont choisi chaque fois plus le Maroc pour assurer une rotation plus grande de leur production de textile. Et pour ce faire, elles exportent du textile au Maroc, qui est ici manufacturé et qui revient comme exportation marocaine vers l'Espagne. Cela s'applique aussi au domaine, par exemple, du câblage électrique et à d'autres domaines que je ne vais pas citer pour ne pas faire trop longue ma réponse à cette question. Merci. Le Maroc et l'Espagne entretiennent des relations culturelles, historiques, riches et variées. Quelle est la valeur de ce partage et surtout pour les générations à venir? Écoutez, la culture, c'est ce qui donne le cœur et l'âme à nos relations. On ne peut pas se comprendre comme espagnol et comme marocain, je pense, sans tenir compte de cette réalité historique et culturelle, de siècles de vie en commun que nous avons maintenues, de relations intenses qui s'est produite entre les producteurs culturels du Maroc et de l'Espagne, qui font que dans nos paysages, dans nos villes, dans nos productions littéraires, dans nos productions musicales, on retrouve toujours des empreintes les uns des autres. Mais c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin et au-delà de cette relation culturelle et qui touche l'âme des Espagnols et des Marocains, je pense, qui avons tout de suite un enthousiasme très particulier pour certaines des manifestations artistiques les plus connues de nos pays respectifs. Je n'ai qu'à voir le sourire et l'enthousiasme des Marocains qui assistent au spectacle de flamenco que nous organisons ici au Maroc. Je n'ai qu'à voir aussi l'éblouissement que vivent les touristes espagnols en regardant, en visitant des sites historiques de ce grand pays. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important et qui nous rappelle que nous ne sommes pas seulement des pays situés par la géographie dans un voisinage important, mais qui nous rappelle que nous avons du sang qui coule dans nos veines, qui est partagé. Du sang, dans le cas espagnol, nous avons certainement tous un peu de sang arabe et berbère, comme vous avez peut-être, vous aussi, un peu de sang espagnol. Laissez-moi vous dire, vous faire cette introduction pour expliquer que pour nous, la culture et pour cette ambassade, elle a un rôle fondamental à jouer, car c'est l'instrument pour la connaissance mutuelle. Et cet instrument pour la connaissance mutuelle, bien sûr, doit se stimuler, doit s'activer. Il y a bien sûr les acteurs étatiques, les agences, les ministères, les ambassades, il y a aussi les gens, il y a aussi les artistes, les producteurs qui doivent chaque fois plus se connaître et travailler en commun. Pour ce faire, nous avons la chance d'avoir, comme je l'avais dit tout à l'heure, chaque fois plus d'échanges humains, de connaissances mutuelles. Pas assez encore, on est loin de ce qu'on devrait avoir. Mais regardez, nous sommes passés, par exemple, dans le cas de l'immigration et de la présence marocaine en Espagne, d'un chiffre très récent. Je vous dis, en 1995, je me souviens, février 1995, j'étais à Rabat d'ailleurs, pour une visite officielle, on a discuté sur plusieurs sujets et tout à coup, la question a été mise sur la table. Combien de Marocains habitent en Espagne? La réponse alors était de 76 000. On est passé de 76 000 Marocains en Espagne à des chiffres très près du million il y a quelques années. C'est vraiment une augmentation significative de la présence marocaine en Espagne qui aide aussi à cette connaissance mutuelle, tout comme les chiffres d'augmentation du tourisme espagnol au Maroc, qui sont encore insuffisants, démontrent un rapprochement progressif de nos sociétés respectives. Mais qu'est-ce que nous faisons? Je reviens à l'institutionnel.
pour favoriser cette relation culturelle? Eh bien, c'est très simple. Nous travaillons d'abord grâce aux institutions que nous avons déjà établies au Maroc depuis des décennies. Tout d'abord, nous avons 11 écoles et lycées espagnols publics qui existent, qui relèvent de l'ambassade d'Espagne dans ce pays et qui permettent d'avoir un total de à peu près 5000 élèves qui suivent le curriculum espagnol. À propos, ce ne sont pas des Espagnols qui assistent à ces écoles et lycées. 73% des étudiants de nos écoles et lycées au Maroc sont marocains. Et seulement le reste sont d'autres nationalités, y inclus les Espagnols. En deuxième lieu, nous avons 11 écoles et lycées, nous avons 6 centres de l'Institut Cervantes, éparpillés dans le royaume, qui ont aussi des antennes, des connexions dans d'autres villes, et qui développent une activité double. D'abord, favoriser l'apprentissage d'une langue comme l'espagnol, qui est une langue bon, qui a un certain poids, l'arabe là aussi, je dois le reconnaître. Mais nous avons une langue qui est attrayante, parce qu'elle a non seulement une vaste culture derrière elle, mais elle a 560 millions de personnes qui la parlent. Et il y a une demande croissante d'apprentissage de l'espagnol que nous essayons de canaliser par ces centres de l'Institut Cervantes. Mais la deuxième fonction qu'ils accomplissent, c'est aussi de favoriser les événements culturels, voire non seulement de genre littéraire, mais aussi les événements culturels qui ont à voir avec la musique, qui ont à voir avec la danse, qui ont à voir avec la formation artistique, etc., etc. Voici un premier élément important de cette relation culturelle. Les bases que nous avons, qui sont en plus reflétées dans l'accord de partenariat stratégique au niveau culturel qui a été signé en octobre 2012 entre nos deux pays. Mais après, à part ça, nous avons aussi, évidemment, des projets pointus et concrets qui se développent constamment. Pour vous donner seulement un exemple, l'année dernière, nous avons développé au Royaume un programme qui s'appelait Visage de la culture espagnole au Maroc et qui a eu 100 activités dans 7 villes du Royaume. Bon, ce n'est pas assez, certainement, mais on fait ce qu'on peut et ce n'est pas peu parce que je peux vous dire que c'est un des programmes de diffusion culturelle les plus importants que l'Espagne a développé à l'extérieur. Maintenant, nous sommes par exemple en 2017 et vous pouvez me demander qu'est-ce que vous faites cette année. Bon, on fait beaucoup de choses, mais je vais vous signaler un événement qui a une portée significative. Ça va être fin octobre. Nous avons inauguré une grande exposition d'art espagnol de la collection de la Banque d'Espagne, de la Banque centrale d'Espagne, qui va se loger au musée Mohamed VI de Rabat, et dont l'estimable collaboration, je voudrais souligner très particulièrement celle de M. Medicot B, le président de la Fondation nationale des musées, et qui va permettre d'ouvrir les portes et les yeux surtout à beaucoup de Marocaines et de Marocains sur l'art de l'Espagne, de Goya, c'est le titre de l'exposition, de Goya à nos jours. Donc il y aura des tableaux qui vont de Goya jusqu'à Tapies, Barceló, etc. Je pense que c'est une bonne opportunité pour faire connaître de près cette production artistique de l'Espagne, qui est une production sans doute importante et qui est très mal connue au Maroc. Très mal connu parce que nous avons eu peu d'expositions jusqu'à présent et qui, dans ce cas particulier de la Banque d'Espagne, est absolument exclusive car c'est une exclusivité que la Banque d'Espagne sorte sa collection à l'étranger. Pour finir cet entretien, je veux vraiment remercier le matin comme milieu de communication qui a vraiment un prestige et qui a une portée importante dans ce royaume.
Je voudrais simplement vous dire à quel point je célèbre la possibilité de pouvoir faire parvenir à l'audience marocaine la réalité de nos relations. Parce que nous tous, Marocains, Espagnols, nous pensons très souvent les uns aux autres, mais nous ne parlons pas très souvent de notre relation. Notre relation n'est pas connue, n'est pas suffisamment diffusée. Et c'est pour ça que je pense que c'est une magnifique occasion pour se rapprocher de tous nos amis marocains, auxquels je salue très particulièrement avec beaucoup de remerciements, car je me sens très bien reçu, avec une hospitalité très particulière dans ce pays, que j'admire chaque fois plus et qui vraiment est pour moi une destination qui va marquer toute ma vie, car je l'ai pris beaucoup, beaucoup d'affection et d'amour. Je disais que pour finir, je voudrais simplement me pencher un peu plus vers le futur, me pencher dans les choses qu'il reste à faire, car elles sont beaucoup. Dire que la relation entre l'Espagne et le Maroc est déjà développée suffisamment serait ridicule, en plus de faux. Il y a beaucoup de choses à faire. Et je ne le dis pas trop parce que ça me produit même du stress, parce que je me couche tous les soirs en disant il me reste tellement de choses à faire encore pour vraiment mettre nos relations au niveau qu'elles méritent. Mais pour donner quelques idées, je pense qu'il reste surtout à vraiment se pencher sur d'abord la connaissance mutuelle plus profonde de nos sociétés, la diffusion plus profonde par ce biais de nos réalités respectives, et une fois qu'on se connaît, chaque fois qu'on se connaît mieux, le développement de nouveaux partenariats dans des domaines existants et des domaines nouveaux. Il s'agit d'être conscient que dans ce monde globalisé, plein de défis, mais aussi d'opportunités, deux pays amis et voisins ont tout à gagner en travaillant ensemble. Deux pays amis et voisins ont des défis à confronter qui seront toujours plus faciles à confronter si nous travaillons main dans la main. Deux pays voisins amis comme les nôtres ont plein d'opportunités aussi qu'ils doivent capter, qu'ils doivent profiter au bénéfice de leurs citoyens, et ce sera toujours beaucoup plus facile de les capter, de les profiter, si nous le faisons ensemble. Donc je pense que c'est ce message qui doit vraiment percer et arriver dans le cœur et le travail quotidien de nos citoyens, et avec un logo très simple, c'est que le royaume du Maroc et le royaume d'Espagne, les Marocains et les Espagnols, nous avons ensemble un futur à gagner. Et nous l'avons non seulement dans le bilatéral, nous l'avons aussi en travaillant dans le monde. Ce n'est pas par hasard que l'Espagne et le Maroc sont des pays qui ont une portée qui va très au-delà de leur contour, de leur voisinage naturel. Nous sommes deux pays avec des rivages atlantiques et méditerranéens, avec la France, il ne faut pas l'oublier. Et nous sommes, dans ce sens, deux pays qui avons des traditions et des réalités d'identité qui peuvent nous servir mutuellement. Je pense en ce moment à la triangulation qui doit encore s'établir pour profiter de ce poids qu'a acquis le Maroc en Afrique et qui fait que les Espagnols, au niveau entrepreneurial, devraient être plus conscients des possibilités qu'offre le Maroc comme plateforme pour investir ou travailler en Afrique. Voir aussi, de l'autre côté, les possibilités qu'offre l'Espagne aux Marocains pour découvrir un peu plus, se rapprocher de notre façade atlantique qu'ils ont, qui est celle de l'Amérique latine, où nous, Espagnols, évidemment, pour des raisons d'identité, d'histoire et de culture, nous sommes très présents. Donc je pense que cela est un bel exemple de possibilités et de choses à faire ensemble. Et je répète,
surtout, soyons, si possible, chaque fois plus conscients que nous avons un futur à gagner ensemble. Merci.